Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 26e épisode de Smallland en coop avec Nicia, Petit Ange, Sabdam et Capo. Et aujourd'hui, on va faire un tour dans les terres grises. Allez, en route. Voilà, soit elle, ouais, mais c'est pas grave. J'ai un stack de boue, j'ai des. Hein, c'est tout bon. Ça va là. J'ai de la fibre qui va. Dans le deuxième à gauche, un truc du genre. Il y a de la soie avec la fibre. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai vu de la soie avec la fibre. Ça... Je la mets à la bonne place. Voilà. Là, je range le miel. J'ai pas mal de bouffe. Moi, je vais peut-être pas prendre tout ça. Je vais en mettre. Et ensuite, on va vers l'ouest. N'hésitez pas à vous servir de la bouffe prête dans le coffre de gauche. C'est fait, merci. Et c'est fait. Je me suis rempli mon stack de... De fourmis grillées. Je sais pas où on met l'écorce, je la mets là en attendant. Il faudra agrandir le nombre de coffres et puis oui. Bien les ranger. Ça fait clair. Faire des petites séparations, tu vois, faire voilà, ça c'est la partie bois, pierre, ou ça c'est la partie animal. Faire des petites séparations. On les voit bien. Faire des groupes de coffres. Le temps que vous arriviez côté ouest, Kero, voilà. Tu disais, t'avais 16 gigas de RAM. Moi, le jeu, il me bouffe. Alors, graphique à fond, il me bouffe moins de 4 gigas. J'ai que 8 gigas. J'ai que 8 gigas. Non, mais. Ouais, le jeu, il prend non, pas énormément. Non, je. Qui est la petite Angela? Ouais, je t'ai vu, celui-là. Ouais, les yeux au-dessus, je suis. Ouais. Quand vous ôtez, je suis. Se rapproche. J'arrive. C'est ta dame qui est dans sa cuisine. Bon bah. Non, je suis pas dans la cuisine, je m'en vais. Oula, préviens que tu pars. J'ai sauté, c'est tout. Bah oui. Et je vais aller. Personne, moi, ça y est. Vers la pancarte. Je suis déjà en train de descendre, moi je vais atterrir sur le pont. Sous la pancarte. Ouais, bah je vais pas être loin. Eh, j'ai pas autant d'énergie. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'énergie. Hein. Je sais pas. Ah, vous êtes pas loin de moi. Hein. Ouais, mais bon. Alors, par contre, faites gaffe aux trucs qui volent par ici. Le truc rouge là. Ouais. Nous intéresse, ça va être de l'autre côté de cette Oula. Ça va être par ici. Normalement, on a des bestioles sympas. Des bestioles où il faut un marteau. D'où ma question tout à l'heure sur le marteau. Là, il y a des pierres bizarres. Ouais, mais attends, il y a autre chose. Oula. Oh là, oh, c'est grosse, attends, c'est attends, quoi, là, frelon là, frelon s'il vous plaît. Voilà, frelon c'est bon. L'espèce de scaphard là. Marteau, cafard, marteau. 3. Voilà. Normalement il donne le cafard. Oh, ouais. Je suis tombé. Ah bah ça va, je suis pas tombé. T'inquiète pas. Ah. Là. Ouais, une pioche. 5. Une pioche, 5 aussi. Ouais. Allez. Ça, c'est de la ferraille. Ouais. Et on a débloqué la pioche pointue. Et il y a du silex, effectivement. Il y en a aussi de l'autre côté de la barrière, j'y vais. Ouais, il y a un peu de silex pour Nicia qui avait besoin. Ouais, j'en ai ramassé du silex. J'ai pas vu la ferraille par contre, je sais pas à quoi elle ressemble. Ah bah, C'est des rondelles cantées, des clous. Viens dans la fosse où on est au milieu là. Ouais. Ah oui. Ouais, bah, j'en vois là aussi. Ouais. Bah ouais, mais pourquoi je. Ah, faut taper dessus. On dirait des parties de mécano, je sais pas si vous avez connu. Attention petit ange, j'ai un cafard devant.
Marteau. Ok, marteau. Bien en récolter ou en avoir sur soi pour que ça vous débloque les crafts. Alors, allez-y. Yep. Là, il y en a encore de la ferraille par là. Je prends le silex et je vous laisse la ferraille. Attends. Ce qu'on n'a pas eu. Non. J'en ai pas eu. Ah, il y en a là. Il y en a plein là. Ouais, je recapte. Attention, il y a un deuxième cafard qui va arriver. Ok, j'ai presque plus de vie. J'ai plus d'énergie, moi, c'est surtout ça. Viens vers nous. C'est quoi ? C'est le gros cafard qui vous gêne en bas, là ? Ouais, bah ça y est. Il est non, non, il est pas mort, il est reparti par là-bas. Écoute. 5. Le gros cafard, il donne pas mal de cuisine, normalement, c'est pour ça que... Et d'ailleurs, vu la cuisine épaisse avec le frelon. Ah, faudrait que tu nous la passes pour voir ce que ça décrafte. Ça débloque. Ça décrafte, ouais. Ah bah j'ai trouvé le gros cafard. Il est dans les égouts. Une tempête Ah mince, ouais. Dans les égouts avec nous. On est à l'abri. Dans les égouts. Moi, faut que je me mette, faut que je vienne vers vous, parce que du coup, j'allais chercher... Ah, je suis avec le gros cafard. Ça, c'est moins bien. Ah bah vous êtes là. Ah bah non, il donnait de la cuisine épaisse, le gros cafard, pas de la cuisine. Dut, je crois qu'il donnait de la chitine. Ah, chitine épaisse, ouais, j'en ai eu. Ouais, chitine épaisse. Ça débloque quoi, la chitine épaisse? Je pense que ça débloque rien, c'est peut-être un atelier qu'il faut. Ouais, pour l'instant, je suis pas sûr que ça débloque un truc direct, il doit falloir autre chose. Le fer nous a débloqué la lance pointue. Et... Il y a de l'eau qui est devant nous, c'est quoi? Bah oui, c'est de l'eau, je crois. Attention, avec la tempête, on va peut-être se faire emporter par l'eau, non? Ah oui, il faut peut-être sortir des égouts quand même, ou se mettre près de la sortie. C'est par où Là, c'est un cul-de-sac. Attends, déjà, on va faire une... Une torche, peut-être. Quelqu'un une torche? Ouais. Hop. Il y a un établi du bois. Quelqu'un a du bois? Oui. Ouais, j'en ai. Tiens. Je te le pose là, je te le jette. Enfin, j'en ai 4. Merci. Je pense que ça va t'aider. Par contre, Sabdam, va-t'en. Je t'éclaire. Je suis ta lumière. Gêne. Je suis plus, hein. Mais tu gênais. T'étais en plein là où. Ouais, ça va, on est à l'abri. Ouais. Là, mais il faut pas que l'eau monte trop vite, trop. Bon, elle va pas monter. Je sais pas. Je pense pas qu'elle monte. Vous avez tous réparé? Ouais. Yep. On peut passer en plus dans l'eau là, c'est bon. Y'a rien. Pas profond? Ah oui. On a pied, ouais. Allez, quand même, en plein milieu. Même de l'autre côté de la grille, là, ça, apparemment, c'est. C'est sec. Ouais. Il y a un cafard. J'ai vu un cafard là. Pour le moment. Juste derrière le. On va lui donner des paillettes dans sa vie, le cafard, tu vois. Ah oui, ouais, on dirait qu'il est bugué. Ah, pas trop. C'est un bordel, comme sur une bête. C'est quoi la bestiole là? C'est une mouche, une punaise? Ou c'est une mouche, on dirait. Ah, elle nous attaque. Ah oui, elle prend. Je suis en train de prendre très cher. Ouais, moi aussi. Le cafard en priorité, je pense. Voilà. En priorité.
Oui, t'es mort. Pour moi, pansement en priorité. Je suis mort. Ah. C'est pour ça qu'on disait pansement en priorité. Les mouches, c'est quoi? C'est lance ou... Ouais, apparemment. J'ai lancé quelques flèches parce que j'arrivais plus. Moi, j'ai fait à l'épée. Bah, c'était peut-être pas l'épée. Attendez-moi que je revienne. J'ai plus de pansement. Les 7 que je t'ai donné? Non, c'est de... C'est, non, c'est pourquoi ça a décodé. J'ai fait utiliser, ça m'a mis dans mon staff. J'allais dire, la vache. Je suis étonné. Tu es où pour réparer? À côté de Nicia, en bas, là. J'arrive. J'arrive. C'est vrai que je refais du métal, mais... Ah, bah oui, ça tombe de capot. Je retrouve le chemin. Je viens en volant, par vers ta gauche, là. Je viens en volant. Pas très loin, j'arrive. Sur ta gauche. Ta gauche. Ta gauche, par là, ouais, tout droit. Ta gauche. Attends, je suis confus. Attention, devant, il y a des mouches. Je sais pas qui c'est qui est parti devant. C'est où ma tombe, du coup? Vous êtes où, là? C'est toi qui me dis mes loot. Il est où, le tunnel? Pas du tout. Bah tiens, appelle-moi. C'était où, le tunnel? C'était par là? Attention, au-dessus de ta tête, il y a des mouches. Allô, vous êtes où? On est là. Là, par ici. Attends, je vois pas où je suis. Regarde, capot, t'es devant moi. Regarde, capot, là, derrière toi. Suis-moi. Ah, ici. Voilà, suis-là. C'est pas là. Je sais pas où est ta tombe. Ok. Mais justement, on la voit. C'est bon. Merci beaucoup, mes amis. Le réparer ? Récupérer. Ouais, je vais réparer. Et j'ai vu un truc au fond là-bas, mais je me demande si on peut y aller ou pas. Attends, je reviens. Chez vous, c'est ça ? Je reviens, je vais te dire bonne nuit au dernier. Je te repose un établi parce que je viens de l'enlever. Mince. Vas-y, t'es bon. Ah oui, au fond du tunnel encore, ça descend encore le tunnel. Ouais. Nickel, merci. J'avance petit doucement pour voir. Il y a une grille qui descend. Ouais. Je me demande, est-ce que ça se tente en ou pas? En face, il y a du métal, je vais le prendre. Mais de descendre, est-ce que ça se tente? Bien sûr que ça se tente. Bon bah, Capo, il a tenté. Il y a des mouches. Est-ce qu'on peut remonter? Il y a une mouche au moins, là, au milieu, là. Il n'y a plus rien. Je me demandais sur quoi je tapais, en fait. Bah oui, bah moi aussi. Je voyais des ailes, mais c'était pas des ailes de la nature. Ah, il y a un cafard. Ah, ouais. Oh, ça tape là, c'est ouf. Je vois rien du tout, moi. Ça fait mal, cette saloperie. Non, il est pas trop loin. Ça fait mal. Bah oui, il fait mal. Oui, il fait très mal. Heureusement qu'on est nombreux. Ouais. C'est pas possible, tout seul. Oh si, mais... Pourquoi tu prends déjà arrêté? Ils sont moins costauds quand on est tout seul. Ah, il y a des mouches qui nous attaquent pendant qu'on farme. Et les mouches, c'est bien avec l'épée. Hein. Je viens de vérifier. Ok. Oh, attends, j'ai vu quelque chose. C'est une mouche qui est en l'air. Il y a plein de chats. Oh, araignées, sans doute. Hein. Oh, bah maintenant, les araignées, elles nous font plus peur. Allez, jouer une araignée à gauche. Oui. Les araignées, c'était avec quoi déjà? Ah oui, avec... vu l'étoile, oh là là, puis elle a l'air avec d'être. L'épée. En plus. Ouais, vous êtes prêts pour l'araignée, parce qu'on a pas mon petit poison là. Ouais. Oh, mais on peut passer par l'autre côté, Capot. Ouais.
Ouais, bon, on n'y va pas sur l'araignée. Surtout qu'il faut que je mange. Parce que là, j'ai plus de PV. Quoi, c'est un cafard là-bas? Métal. Ouais. Ouais. Mais cafard. Toi, ça aurait été bien avant le cafard. Voilà. Je me suis jeté sur le cafard avec 30 PV. Petite réparation avant de partir. Oh, il y a de la mouche. Ouais, il y a les mouches qui viennent d'abord. Ah ouais, elles sont pas costauds les mouches, mais elles font mal. C'est ça. Réparation. C'est en pente, je vais pas pouvoir, je pense. Bah là où on est, c'est un peu plus plat. C'est bon. Bah j'arrive pour réparer. Dès que j'ai fini mon métal. Là. Voilà, nickel. J'ai déjà 18 fragments de fer. Fer, j'en ai quoi? C'est où? Je sais plus où est le fer. Ça ressemble à... J'en ai 46. Ah bah dis donc. Je peux démonter? Apparemment oui. Oui. Il n'y a plus celui-là. Hein. Il y a des petites lumières. Ouais, elles sont jolies, les petites lumières bleues. Bien, bien. C'est quand on est des amis. Bah lui, il est... Oh, il y a un feu. Bah lui, il est un peu mort. Un peu. Hein. Oui. Mais il y a de l'eau là, on pourra... Eh, il y a quelqu'un qui a pris un truc qui était dessus, non? Oui, moi. Enfin, j'ai fait une lançada. Mais je sais pas si je peux... Attends. La lâcher? Attends. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Lançada. Alors, je veux tester, lâcher. T'appuies sur contrôle, clic gauche. Voilà. Yeah, lançada disponible. Vas-y, on voit. Vas-y, on voit. Lance à lapidaire, ok, je la jette. Elle est où? Mince, je la vois pas. Attends. Elle est là. Voilà. Mince, c'est suivant. Moi qui l'ai récupéré. Ok. Je veux dire que notre lance, elle est déjà obsolète. Attends. Codex. On vient juste de la faire. C'est ça. On a débloqué la lance à pointe aussi, là. Pointe dure, on a le débloqué. Voilà. Avec le fer. Ok. Non, c'est la pioche à point. La pioche qu'on a débloquée avec le fer. Voilà. Tiens, Edru. Si tu veux la ramasser. Lance-Sadar, elle était 20-28. Ouais, je vais la ramasser si tu veux. Et alors que la nôtre, elle fait 20-28. Ça, c'est pareil. D'accord. Par contre, elle fait 12-14 de dégâts de poison. Elle fait des dégâts de poison en plus. Voilà. Bah oui, c'est un dard, logique. Et elle se fabrique dans un atelier... Dans le lapidaire. Et j'ai pas fait gaffe à la recette. Ça demande dard d'insecte, 4 pièces de textile, 2 bois raffinés et 2 chitine épaisse. Ah oui. Moi, je l'équipe comme ça, on verra ce que ça donne. Je remonte doucement. Ouais. Bah, on remonte plus doucement. Plus haut, peut-être là-dedans. Bah, là où il y avait l'araignée, je pense. Non, ici. On peut pas remonter, je pense pas, là. Par le chrono? On peut pas remonter ici. Non, on peut pas. On va devoir taper l'araignée. Ouais, je sais pas sûr qu'on va pouvoir remonter, là, par où on est descendu. Bah, c'est ce que je posais comme question avant de sauter, mais... Il y a une grille, là. C'est pas où on est arrivé, ça? Oui, c'est par où on est arrivé. Ouais. Non, il va falloir se faire l'araignée. Sans antipoison. Attends, il n'y a rien au bout. Attends. Avant de te faire l'araignée sans antipoison.
Bah, il a de l'antipoison. De moi. Il a la lance, quoi. Il a pas la lance, mais. Il doit y avoir une sortie par là. Ça résiste aux dégâts de poison, donc ma lance, elle va pas servir à grand chose. Et ça se fait à la. À l'épée, une araignée. Non, il n'y a pas de sortie. Non, il n'y a rien. Y a dégâts tranchants. Attention, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Vite, 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 venez. C'est quoi, à l'épée? À l'épée. Elle est où? Ah bah, elle me suit. Non, elle suit toi. Ah bah. Oh bah. Elle a pas resté longtemps. Ouais. Mais je me suis fait piquer. Oui, moi aussi. T'inquiète. Oui, ça on va pas s'en faire de l'assurance entre temps. Un petit peu, ouais. Ouais, on perd de la vie quand même encore. Hein. Alors, de la ah oui, il y a un paquet de soie. Ah non, c'est les cisailles, c'est vrai que je suis con. Ouais, cisailles. J'essaye à la pioche, ça marche pas à la pioche. C'est à quoi qu'il faut prendre? Cisailles. C'est à cisailles, mais personne là, si? Vous il y avait que Capo et moi, je crois, qui l'avons. Ouais, ouais, ouais. Ah, par on contre... On va se refaire un petit de soie. Là. Si on a du textile à faire, à mon avis, on en aura ouais. besoin. Il nous ferait un petit atelier au milieu. Il y a de quoi? Un atelier? Tu veux faire quoi? Pour réparer. Un établi? Oui. Non, on fera un garage, cette dame. Ouais. C'est sympa le garage, en vrai. Ça permet de se garer. Nous, l'établi. Je sais pas, on l'attend. Ah, il y a une araignée. Araignée. Araignée nocturne. Je sais pas ce qu'il faut en fait. C'est ça parce qu'on est passé de nuit là. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Je regardais, j'ai pas ce qu'il faut. Vous voulez faire quoi? Mais bon, c'est fait. Un établi. C'est fait, un établi. Il est là. Parce que la cisaille, elle s'abîme vite. Ouais, elle se dégrade super vite. Initia, t'es pas à 100% au niveau vie. Non. Moi non plus, hein. Je vais me faire piquer par une araignée. Je viens de remettre un pansement bah oui. Parce que l'araignée me fait, a fait du mal aussi. C'est bon la soie? Il n'y en a pas au fond là-bas? Je vais aller chercher de l'autre là, côté. Bah, je vais démonter l'établi. Tout a été ramassé. Non, par là, il n'y a rien. Tout a été ramassé par là. Ouais. Okay. Et ben, on est parti par le côté où il n'y a pas rien. Là, par contre, il y en a peut-être là. Non, c'est d'où on vient. Ah. C'est qui est parti de l'autre côté à gauche? Et moi. C'est vers le sud? Peut-être moi. Non, non, c'est... Une... Non, c'est... Vers le non. sud. Il faut qu'on aille vers le sud. Je vois des lucioles. Il nous fallait pas des lucioles pour faire des torches ou je sais pas quoi. Ici. Mais là c'est pas des lucioles, c'est des mouches. Non, c'est des lucioles. C'est des mouches. Grilles. C'est au sol qui nous attaque, c'est des mouches. Ah oui. C'est des lucioles. Ah mais tu peux pas les choper en haut. Avec un arc, vous, avec il faut viser. Avec vos arcs, ouais. Je sais plus comment on se met à vue à première personne. Je sais jamais. Ah voilà. C'est comment? C'est le... W. C'est la touche W. W. Mmh. Ah oui. C'est vrai que pour viser à l'arc, c'est plus simple. Alors, est-ce qu'on peut sortir par la gauche là ou pas? Ah, il y a une araignée à gauche. Épée alors. Hop. Ouais. Il y aura une. Hein. Oui, mais il y a déjà araignée. Ouais. Non, c'est bon, elle est morte. C'est bon, c'est cocon. Il y a eu de la ferraille derrière, et puis le cocon ici. Ramasser le. Et un petit établi. Oui, mais je ramasse le. Non, moi je fais tout. Hein.
je sais, t'es l'homme à tout faire. Bah ouais. Et quelqu'un nous éclairerait par contre ? Ouais. On occupe. Ah, super. Merci. Parce que Samdam, il nous demande de faire des établis, il nous demande de prendre les cocons, mais il éclaire même pas. Je suis allé chercher la ferraille. Ouais, la bonne excuse de la ferraille. Tu étais notre lumière, mais... Ça marche seulement si t'as une torche. Alors ça, bon, bah là, il n'y a plus rien, c'était juste l'antre de l'araignée. A priori, ouais. Donc, là, il faut ressortir. Tout le monde répare. Si tout le monde a réparé, oui, je les monte. Attends, j'ai pas réparé. C'est bon. 6 à 3, 2... Je vais réparer ma torche. Hop. C'est bon. Voilà. Donc là, à gauche. La lumière, elle est où ? Et derrière. On a deux lumières. Attention, il y a de l'eau. Ah oui, putain, elle a l'air profonde. Je pense qu'on peut pas sortir par là, ou alors faut voler. C'est compliqué, sûr de, là. Être sûr de pas tomber dans l'eau, quoi. Faire un petit pont. Ah, attends, il y a un passage de l'autre côté, là, à droite. Il y a un passage, là. Là. Il y a du bois pour ceux qui veulent. Oh, cafard. Hop, marteau. Ah, mais... On voit pas sur quoi on tape, hein. On tape les uns sur les autres, mais... Allez. Si on a tapé le cafard, c'est bon. Au bout d'un moment, le cafard est sur le dos, il bouge plus, donc ça doit vouloir dire qu'on l'a eu. Je sais pas s'il y a une sortie, hein. Parce que ça me paraît bien haut, quand même, hein. Non, elle sort pas, là. On sort pas. Il était bien, ce tunnel, mais... C'est pas l'entrée, là, par là où on est rentré, carrément, ça ? Non, c'est pas par là. C'est pas par là qu'on est rentré. Bah, soit on ressort par... Ah bah non, on peut pas, de toute façon, par où on est arrivé. Non, il y a pas du bois pour faire... du bois, là, pour faire du pont ? Bah mais c'est t'as vu la hauteur, la profondeur, tu vas pas arriver jusqu'au bout, hein. Je crois pas, hein. Ah, ça a l'air compliqué, là. Non, marcher sur le côté, comme ça. Ah bah ouais, tout simplement. Je pensais qu'on allait pas pouvoir marcher. J'avais le doute aussi, mais en fait... On a du grip, maintenant. On veut un marteau. C'est quoi en bas, araignée ? Bah là, les araignées, c'est... Ouais, mais c'est des petites, c'est des araignées aurores, ça. Non, c'est les fourmis. Du fourmis. Ah ouais ? C'est des araignées à six pattes. C'est des pas araignées. Ici. Bon, au même endroit, en fait. Et on peut passer par là. Hein. Ouais. Du caillou, là, ça monte. Il y a un frelon à droite. Donc, il va falloir faire gaffe. Le frelon, c'est perforant. Hein. Ouais. Il y a un cafard. Cafard. Et il y a plus de cafard. Il y avait deux places aussi sur le frelon. Ah, ça, vous avez fait le frelon ? Ouais. Oui, il est mort, le frelon. Je disais, oh là là, ils sont allés se planquer pendant que nous, on se fait un cafard, mais en fait, non, vous faites un frelon. Alors, en parlant de frelon... Oh, j'ai failli tomber dans le trou, là.
sais pas si on peut par là. Ça a pas l'air de passer. Mais enfin, non, remontez, revenez par le nord. Ça y est, la ferraille. Il y a pas là, n'y a rien. Attends. Il y en a un paquet de ferraille. Il y a un paquet de ferraille. Ouais, là aussi il y a de la ferraille. Ouais, bah vas-y, n'hésite pas. Je sais plus. Il y a même du silex encore. Il a rechopé. Ah, c'est pas le même. On n'est pas au même endroit. Si ? Non, on n'est pas, non, on n'est pas au même endroit. Non, on est pas... Je te confirme, on n'est pas au même endroit. Écoute, avec Ethnicia, il y a pas mal de choses par là, silex et ferraille, on va continuer par là. Ouais. On va essayer de sortir. Vous êtes par où ? Oh. Ils sont en dessous. Ah d'accord. Je vois leur lumière par en dessous. Faites attention, devant vous, il y a des mouches, il y a des ferrailles encore, mais il y a des mouches. Et puis il y a un égout, avec de l'eau. Lex, ferraille. Bah, là, on peut. Hop. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.